Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Merci de vous joindre à nous pour notre prière de ce soir. Merci de prier avec nous et de prier pour nous. Sans nous lasser, recherchons le visage de Dieu, c'est-à-dire recherchons sa très sainte volonté pour l'accomplir fidèlement et avec générosité, cette volonté très sainte qui est notre sanctification et qui est la source du bonheur véritable sur cette terre d'exil. Prions les uns pour les autres. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Créateur.
rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. De ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisi. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser. Rendons-nous à mon Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu. Cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage. Lecture du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. « Va, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manqué. Alors il recommença et il fit un autre vase qu'il jugea satisfaisant. Alors cette parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier, déclare le Seigneur. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parfois je parle d'arracher, de renverser et de détruire une nation ou un royaume. Mais cette nation se détourne du mal que j'avais condamné. Alors je renonce au mal que j'avais décidé de lui faire. Parfois je parle de bâtir et de planter une nation ou un royaume. Mais ils font ce qui est mal à mes yeux et ils n'écoutent pas ma voix. Alors je renonce au bien que j'avais promis de leur faire.
ta face. On aime un Seigneur, je m'aime mon esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. On aime un Seigneur, je m'aime mon pour son peuple est célébré jusqu'aux cieux. Après chaque intercession, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu as envoyé ton Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Fais que sa mort glorieuse porte du fruit en abondance dans nos cœurs. Seigneur, exauce-nous. Tu as établi tes prêtres ministres du Christ et intendants de tes mystères. Accorde-leur un cœur fidèle, la science et la charité. Seigneur, exauce-nous. Ceux que tu as appelés à la chasteté parfaite pour le royaume des cieux, accorde-leur de suivre ton Fils dans une fidélité sans faille. Seigneur, exauce-nous. À l'origine, tu as créé l'homme. Homme et femme, tu les créas. Garde toutes les familles dans ton amour sincère. Seigneur, exauce-nous. Par le sacrifice du Christ, tu as enlevé les péchés des hommes. Accorde à tous les défunts le pardon de leurs péchés. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions au fond de notre cœur, en ce Seigneur qui est fidèle et juste et qui exauce nos prières. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant, plein de miséricorde et de bonté, nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.